On s'est rencontrés il y a à peu près un an. C'est une copine qui me l'a présenté, mais je l'avais déjà repérée dans le bus. Elle habite près de chez moi, du coup on se croise souvent. J'ai senti qu'il y avait un truc, mais je dirais pas que ça a été le coup de foudre. En fait, ça s'est fait petit à petit. Un soir après les cours, je lui ai laissé mon numéro. J'y croyais pas trop et puis, finalement. La première fois que je lui ai envoyé un message. Mais trop chaud. Il m'a répondu. Ensuite, j'ai le premier rendez-vous. Salut. Ça va ? Ouais, j'avoue, j'étais super stressé. Je savais pas du tout comment m'y prendre. Ah, j'ai déjà tapé. C'est pas grave. Ça va ? Ouais, ouais. Voilà. Ah ouais, c'était vraiment pas terrible pour notre premier ciné. T'en veux ? Non, ça va, merci. Je me souviens de notre premier resto. Oui, ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Merci. Merci, chef, c'est bien rituel, super. T'as vraiment trop mangé, toi, c'est ouf. Hein. C'est trop bon, là. C'est quoi ton plat préféré ? Et toi ? Je sais même pas. Première fois que j'ai osé lui prendre la main. Voilà. Elle m'a bien fait galérer au début. C'est bon, je rigole, je rigole. Mais bon, c'est ça. Hein. Quand on est amoureux, on fait des trucs vraiment chelous. Dis-moi, poteau, qu'est-ce que tu fais là ? T'es vraiment en train de te balader devant un miroir ? Tu l'as jamais fait ? Mais j'ai déjà pêché une meuf, mais pas devant un miroir ! Ah ouais ? Bah, montre-moi ça. Non. Tu veux que je te montre vraiment ? Ouais, mais pas sur moi. Non, bah non, bah, tu réfléchis même pas, tu parles pas, tu fais. Et après, tu la balardes, tu vois. Ouais. Et tu fais pas ton. Le truc bizarre là. Oh, il est fou lui. Et les gars, venez voir là, il y a une putain, il est en train de se balader dans le miroir. Puis. La première fois qu'on s'est embrassé. Quand tu kiffes quelqu'un, tu te poses plein de questions sur comment ça va se passer, surtout la première fois. Enfin, vous voyez quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas facile d'en parler. Arrête ! Ouais. Tu travailles ? Ouais. Mais souris un peu, t'es filmé là. Ouais. Ah bah ça se voit que c'est naturel quoi. Ma mère ! Le problème c'est que ma mère elle exagère. Du coup, je suis pas forcément à l'aise pour en parler avec elle. Tu es prête ? Bah j'attends que mon thé refroidisse parce qu'il est un peu chaud, mais je vais y aller. Bah non, mais là, il faut que tu te dépêches. Bah si, ça va, je commence à 9h30. Oui, bah il est 9h, faudrait peut-être que tu accélères là. Oui, bah j'ai le temps, t'inquiète. Maman ? Oui, chérie. Tu peux me poser une question ? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux aller dormir chez mon copain ce soir ? Quoi ? Hein ? Comment ça ? Est-ce que je peux dormir chez mon copain ce soir ? Mais quel copain ? Bah, mon copain. Et tu as un copain en amoureux ? Oui. T'as un petit ami, je suis pas au courant. Bah non. Et tu vas aller dormir chez lui. Bah oui. Et je le connais pas. Bah non. Et on en a jamais parlé. Bah non. Bah c'est hors de question. Bah pourquoi ? Mais bah pourquoi ? Vous allez faire quoi du coup ? Bah je sais pas. Ça se passe comment en fait là ? Bah j'en sais rien. On verra bien. T'es au courant quand même de comment ça se passe quand on fait l'amour, mais les protections ? Oui, oui, bah oui, le prends pas comme ça s'il te plaît. J'ai pas envie d'être grand-mère moi.
Oh là là, mais t'as vu comment t'exagères, c'est dingue. J'exagère pas. Bah tu, si. Tu veux aller dormir chez quelqu'un que je connais même pas? Tu es prête à faire l'amour avec? On en a même pas parlé. Oh, t'abuses. Non, j'abuse pas. Là, c'est toi qui abuses. Non, mais c'est bon, y'a rien de grave. Hein. Tu veux qu'on en parle avec ton père? Non, bah non, non, ça va aller. Donc c'est bon. Donc pour ce soir, c'est non. Là, je suis pressée, moi, de toute façon. Ok. Y'a mes potes aussi. T'es relou. Mais ils sont pas toujours de bons conseils. Ta meuf, c'est quand tu la baises? Clairement, dis-nous, parce que nous, on attend là. Bah ouais, ça fait un moment qu'on entend, mais. Ah, je pense qu'on va pas tarder à le faire, hein, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, après j'ai grave envie, ouais. Ouais, carrément. Bah ouais. Comment il est chaud à mort, oh le fou. Comment ça va se passer? Bah, je sais pas, justement, t'as pas des conseils à me donner et tout? Bah, gros, moi je te dis, les filles, ce qu'elles aiment bien, c'est que tu sois brutal. Ah, ouais, tu la prends comme ça, tu fais pam, 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 tu vois. Tu vois. Écoute pas, il fait trop le mec, tu vois. Non, franchement, il fait trop le mec. C'est qu'il cache, wesh, la tête, pas de question, gros. Les écoute pas, franchement, non. Genre, oublie pas que c'est sa première fois. Et il faut qu'elle kiffe, tu vois. Elle sort ouais, sa douce, tu vois. Ouais, l'over et tout, comme ça. Ouais, exact. T'es-moi comment il sort sa flûte, lui, t'es-moi. Regarde, vas-y, mais kiffe. Une petite musique aussi, tu peux mettre. Vas-y, trop des lovers, wesh. Ouais. Non, la tête, faut que tu ailles fort, gros. Tu vas à l'aise dans ton lit, au chaud déjà. Si tu sais pas comment te débrouiller, tu vas un peu sur Youpin. Ouais. Et tu regardes un peu comment ça se déroule, tu vois. Tu regardes un peu les positions, tu fais ça en solo, tu regardes un peu comment ça se passe et tout. Ouais. Tu prends exemple un peu, t'as vu. Et puis après. Tu rentres dedans. Et surtout, oublie pas le plus important. La capote. Ouais, non, ouais, pas envie d'être papa tout de suite. Non. C'est pas tu chopes la ch'touille et tout un peu. Parce que la ch'touille, ça gratte quand même. Ouais. Dis-toi, la première fois, c'est toujours pareil pour les meufs. C'est ultra important, donc faut pas qu'elle oublie, c'est ça le délire. Faut que ça lui reste dans la tête. Il y a ma sœur aussi. Ça va, elle est cool. Okay, elle m'a donné pas mal de conseils. Tu l'aimes? Oui. Enfin, genre, ouais. je l'aime beaucoup. Alors. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis très attachée à lui. Je suis bien, quoi. T'as pensé à la prochaine étape? Ouais, j'y ai pensé. On en a pas trop parlé ensemble, mais j'y ai pensé. Et je sais que lui, il est prêt, ça je le sais. Ouais. Moi, maintenant, tout de suite, maintenant, je le suis. Avant, j'y étais pas forcément, maintenant, je le suis. Mais faut voir quand. J'attends de voir. Tu verras ce moment, mais t'en as parlé avec maman. Bah, tu connais maman, hein. Bah oui, voilà. Ça, c'est un truc. Voilà. Donc, non, pas forcément. Et puis papa. Pense pas? Non, hein, non, on pense pas. Voilà. Pas, non. Donc, ça, franchement, rien, c'est pas. Je peux pas en parler avec elle. Non, tu vois. Bah, c'est maman, quoi. Carrément. Mais tu vois, si t'as des questions, je peux aller au planning familial. Enfin, t'as pas de gêne et tout, tu vois, ils te connaissent pas. Enfin, ouais, donc, y a pas de soucis. Je leur pose toutes les questions que tu veux, et puis je suis là. Voilà. Oui, si je suis là. T'es là, genre, vraiment. Je suis passée par là aussi, et voilà. Carrément. Oui! Oh là là. Mon petit frère, tu en parles pas. C'est plutôt lui qui va en parler. Alors, tu l'as pécho? Ah, mais c'est bon, toi, vas-y, va là-bas. Va dans ta chambre. Mais t'as une chambre, donc tu vas, vas-y. Mais donc, du coup, ça s'est passé comment la dernière fois? Ouais, très bien, très bien. On est allé au kebab. Un kebab? Mais ouais, le kebab, c'était très bien. Bah, c'est pas très romantique, ça. Bah, c'est mieux que rien. Bah, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas ouf. T'aurais fait quoi, toi? Bah, je serais allé dans un restaurant 5 étoiles, logique, non? Ouais, logique. Et avec quel argent? Bah, c'est de maman et papa sur leur. Comment ça s'appelle? La carte blanche. Ouais, la carte bleue, tu veux dire. Ah, et voilà. Le code, tu l'as où? Non, tu l'as pas. Donc c'est mort. Ouais. Entre nous, tu vois, ça fait déjà 4 jours qu'on est ensemble. C'est beaucoup. Et à un moment donné, on était en cours de physique-chimie. Et là, je la regarde dans les yeux, elle me regarde. Je la regarde, elle me regarde. Je la regarde, elle me regarde. Et là, pff, c'était... Waouh. Hein, mon bijou? Ah ouais, là, c'était le coup de foudre. Et là, on a déjà des projets. Là, on va quitter la France. Peut-être aller en Corse. Ouais, où tu veux. Et on va avoir des enfants. 3? 4, enfin voilà quoi. Ouais, c'était impressionnant. Et donc du coup, après qu'on s'était regardé dans les yeux, et bah le lendemain, je vais au fleuriste et là, je lui achète une rose. Hein, mon bijou? Ah ouais, j'ai kiffé et elle était super belle. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on est tombé amoureux, hein, mon bijou? Ouais, et en plus à la fin, il m'a dit qu'il m'aimait et tout. Et malgré qu'il est un peu foufou et qu'il parle un peu trop, et bah je l'aime. Bah tu vois, c'était simple, on s'aime. D'ailleurs, on peut te montrer. Je sais qu'il y a d'autres gens à qui je pourrais en parler. D'ailleurs, je devrais y aller. Ils pourraient sûrement bien me conseiller. Je me pose beaucoup de questions sur
comment ça va se passer quand je vais faire ma première fois, en fait. Et je suis vraiment perdue par rapport à ça. Est-ce que vous en avez discuté avec le garçon cette première fois ou pas du tout? Non, pas plus que ça, très peu. Donc je pense que la première chose à faire, c'est d'en discuter avec lui. D'accord. Ça, c'est le plus important. Okay. Il faut échanger, d'accord? Avant la première fois. C'est de ne faire les choses ensemble que si vous en avez vraiment envie, tous les deux. D'accord. Il faut que vous vous sentiez prête, que ce soit le moment, et les choses viendront naturellement. D'accord. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous protégez? Non, pas encore. Bon, ça, il faudrait y songer aussi. D'accord, avant de, okay. de passer à l'acte avec le jeune homme en question. Il faudrait prendre un rendez-vous avec une gynécologue. D'accord. Et le mieux, c'est de prendre la pilule quand même, avant d'avoir une relation avec le garçon. Ok. Par précaution? Par précaution, toujours. D'accord. Mais c'est très important. Si jamais vous prenez la pilule, le garçon se protège. D'accord. Il peut arriver que le préservatif craque, ça peut arriver. Que vous avez un doute, oui. Il y a ce qu'on appelle la pilule du lendemain. D'accord, d'accord. Et c'est à prendre, comme son nom l'indique, dès le lendemain. Ok. D'accord. Très rapidement. C'est très une rapidement. Pilule ou c'est exactement la même c'est que... C'est une prise. Une pilule en une seule prise. Ok. D'accord. Et c'est pour éviter, si jamais... par mégarde, vous tombiez enceinte après la première fois, ce qui peut arriver aussi. Oui. D'accord. Il faut absolument prendre cette pilule. Mais, normalement, les choses se passent bien. Ouais. Et si c'est vraiment la bonne personne, il ne faut pas avoir peur. Le tout, c'est d'y aller que quand on est sûr à 100% d'avoir envie de le faire avec son partenaire. D'accord. D'accord. Il faut avoir confiance. Et puis, il faut, bien sûr, chose primordiale, être amoureux et amoureuse. Oui. Bien sûr. Ça va de soi? Évident. Merci beaucoup. Ben de rien, je vous en prie, merci à vous. Et puis, bonne réflexion. Merci. J'ai peur d'être maladroit. Si j'en fais trop, elle va trouver que je suis relou. D'un autre côté, j'ai vraiment envie de lui montrer que je tiens à elle. Bonjour. Bonjour, je peux vous renseigner? Bah oui, je veux bien. Je vais acheter des fleurs. Oui, c'est pour une occasion particulière? Oui, c'est pour ma copine, c'est la première fois. D'accord, une idée des couleurs ou quoi que ce soit? Du tout. Je vais aller vous montrer ce qu'on a déjà de préparé. D'accord. Ah. Vous allez avoir dans les teintes rouge et blanc, comme ça, qui peut être sympa, c'est une signification de l'amour. Ou après, vous avez dans les teintes plus pastel, comme ça, qui est plus doux en couleur. Bon. On est à peu près sur la même chose. Ça n'a pas la même signification au niveau des couleurs. Faut vraiment que j'assure. Ça fait des semaines que j'y pense. Mais à la maison, on se prépare à ça. C'est pas toujours simple. Ouais? Tu fais quoi, là? Non, rien, rien. Je m'entraîne. Bah descends, on va manger. Ouais, t'inquiète, j'arrive. Et tu veux quoi pour le dessert? Éclair au chocolat. En vrai, ça se calcule pas. Y a pas de recette. C'est une histoire entre elle et moi. Seulement lui et moi. C'est notre histoire. Ouais, c'est notre histoire. Du premier regard, jusqu'au moment où... Mais ça vous regarde pas.
Ouais. La femme de quelqu'un. Non, non, non. Je suis fils de non, non, je l'ai vu. Non, non, non. Tu fais des bisous pour aller où? Non mais vraiment, on va aller où?